Bienvenue sur Cosmos Paint. Nous sommes une chaîne axée sur les œuvres d'art. Et nous pensons qu'une palette de couleurs est l'expression sublime du sens et du sens dans l'esthétique artistique. Nous avons le plaisir de vous présenter le peintre français Zachary Charles Landel. Il était un peintre spécialisé dans les portraits. Il est surtout connu pour ses œuvres orientalistes. Il est né le 2 juin 1821 et mort le 13 octobre 1908. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, avec cette touche artistique, abonnez-vous maintenant, partagez avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. En 1837, âgé de 16 ans, il est admis à l'École des Beaux-Arts, où il étudie avec Paul Delaroche et Harry Scheffer. Après des voyages en Italie et dans le sud de la France, il copie les maîtres anciens au Louvre. Il a commencé à peindre des portraits en grande partie pour subvenir à ses besoins. Elle remporte un vif succès et il fait sa première exposition au Salon en 1841. Ses œuvres attirent l'attention du roi Louis-Philippe et lui décernent une médaille. Bientôt, il devient peintre officiel et reçoit de nombreuses commandes de l'État. Se représenter venait également d'un niveau supérieur de la société. En 1852, Napoléon III achète plusieurs de ses œuvres et en devient un grand admirateur. Grâce à lui, Landel est décoré de la Légion d'honneur en 1855. Dans la continuité de la présentation, profitez de cette riche sélection, car ici on parle d'art avec dévotion, émotion et beaucoup de recherche, pour apporter à nos téléspectateurs un contenu bon pour les yeux et l'âme. Car pour nous, l'art c'est exister.